FM. الكلمة ليك Oxymo Puccino, Oxymo Puccino, on est très heureux de vous inviter sur KFM, surtout qu'on est dans un cadre magnifique au centre culturel de Hammamet et dans un festival, un grand festival qui s'appelle le festival de Hammamet. Comment vous allez jouer aujourd'hui? Comment vous avez préparé votre spectacle à Hammamet? On va faire une formule acoustique, c'est-à-dire que je suis accompagné de mon guitariste Eddie Purple et de mon batteur Jean-Baptiste Corto, et que nous allons préparer une nouvelle formule acoustique à trois avec une guitare et beaucoup d'effets qui donnent l'impression qu'il y a un ou deux fois et demi ou deux fois plus de musiciens. Voilà. On est habitué à que les rappeurs jouent avec les DJ, avec une musique enregistrée, mais on n'est pas habitué avec des rappeurs qui jouent sur une musique acoustique, avec un batteur ou bien un bassiste ou bien un guitariste live. C'est une première pour les Tunisiens qu'un rappeur connu joue avec cette méthode. J'en suis très heureux que ce soit une première, parce que justement, je travaille aussi de temps en temps avec un DJ, mais toujours, Monsieur Victor, mais toujours avec des musiciens. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, je travaille avec des musiciens et que ça apporte une certaine liberté d'interprétation, et ça laisse beaucoup de place à l'improvisation. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie que le morceau continue pendant 5 minutes ou 10 minutes, le batteur et le guitariste peuvent le faire, tandis qu'un DJ sera plus dans l'embarras. Voilà, très bien. Vous avez 32 albums, donc beaucoup de chansons. Qu'est-ce que vous allez jouer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez choisir aujourd'hui de jouer pour le public à Hammamet? On a choisi des morceaux, bien sûr, beaucoup de morceaux d'amour. Morceaux d'amour sous toute forme. Donc il y aura des morceaux de séduction, il y aura des morceaux d'amitié, il y aura des morceaux sur le temps qui passe, parce que le temps qui passe est très important. Et puis comme j'ai grandi à Paris, il y aura aussi des morceaux qui pour les nostalgiques, les Tunisiens nostalgiques qui ont habité à Paris ou qui font les allers-retours entre les deux endroits. Et surtout que certainement il y aura un public qui vit à Paris, qui connaît Oxymo très bien, qui connaît le parcours d'Oxymo. Certainement, il y a un public qui va demander des chansons bien déterminées pour le spectacle d'aujourd'hui. Oui. Bah, on va offrir certaines chansons demandées. Ça sera un cadeau réciproque, parce que avoir des personnes qui nous apprécient alors qu'on n'a jamais joué à Hammamet, ça fait toujours, ça donnera quelque chose en plus au morceau. Ça sera un morceau qui sera encore plus partagé plus fortement. Et puis La question, c'est les chansons demandées par le public. Oui, il y aura les chansons demandées par le public, et puis il y a les chansons que je n'ai pas l'habitude de faire en concert, justement, parce que ça ne m'est pas amené, que la situation n'a pas toujours été appropriée pour ça. Donc il y a ça, et puis il y a des morceaux qu'on garde en réserve, qu'on va jouer selon l'ambiance. Voilà. Voilà. On rentre un petit peu sur Oxymo Puccino. L'histoire d'Oxymo Puccino est née en 3 août 1974. Ça fait longtemps, hein. 74. Avec un parcours bien spécial. Beaucoup de travail, beaucoup de passages entre le rap, entre le doublage, des films aussi. Oui, c'est-à-dire que avec le temps, j'ai essayé de me concentrer donc sur l'écriture et partie de la musique en direction de l'écriture pure, c'est-à-dire de l'écriture sans musique, à savoir des nouvelles, des préfaces de livres d'amis. Là, je travaille actuellement sur un scénario, et puis j'ai sorti aussi un livre qui s'appelle 140 piles, qui est une suite d'aphorismes, donc des proverbes, des citations, des pensées que j'avais postées sur Twitter avant de l'imprimer. Donc j'essaie d'écrire dans plusieurs domaines différents, mais mon cheval de bataille reste les textes accompagnés de musique. Les textes à base de métaphores, à base de phrases choc. De métaphores, de phrases choc, et puis de visions poétiques d'une certaine réalité. Voilà, j'essaye d'apporter une vision un peu plus positive que celle qu'on peut voir à travers les médias, ou sans y avoir été par soi-même pour vérifier, quoi. Voilà, donc on parle d'Oxymo, les textes d'où inspire Oxymo, l'inspiration. Mon inspiration, elle vient d'artistes de toute forme. Ça peut être des peintres, ça peut être des danseurs, ça peut être des acteurs, des comédiens.
moi, je m'inspire surtout aussi de l'histoire et de la vie. De la vie, parce que j'ai l'habitude de dire que la réalité dépasse la fiction de très très loin. Et que pour arriver à être aussi dense que la réalité, justement, il faut énormément de travail. Et c'est ce que j'essaye de faire, de rendre la réalité à sa juste valeur, apporter un angle de vue à sa juste valeur. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes rappeurs d'aujourd'hui, c'est de travailler beaucoup et de prendre son temps. Travailler beaucoup et prendre son temps. Prendre son temps pourquoi ? Pour réfléchir à la manière dont on va emmener son travail, tout simplement, parce que tout ne s'arrête pas au travail effectué. Et que si on n'a pas la chance d'avoir une équipe pour pouvoir être à tous les postes importants, parce qu'aujourd'hui être un artiste, ce n'est pas seulement faire des chansons, c'est faire des chansons, être présentable, savoir communiquer au bon moment, avoir certaines connaissances en images globalement. Donc ça comprend un sorte de travail complet et global. Voilà, c'est voilà. Plus que de la musique. Oxmo, certainement vous connaissez beaucoup de rappeurs du monde. Certainement vous avez travaillé et vous avez fait des featuring et des duos avec beaucoup de rappeurs ou bien de collaborations avec des rappeurs. Oui. En Tunisie, on a beaucoup de rappeurs connus, oui. Super doués. Je ne sais pas si vous connaissez quelques-uns des rappeurs tunisiens. J'en connaissais quelques-uns à l'époque, mais comme c'est un peu subversif, on a plus discuté que collaborer ensemble. Voilà. Et sinon, je pense que ça sera surtout au gré des rencontres, parce que c'est uniquement comme cela que ça se passe. On rencontre un artiste, une personne avec qui on s'entend bien, il se trouve que c'est un artiste, et directement on rentre en studio. Voilà, peut-être il y aura des collaborations bien avec... Bien sûr. C'est une question de rencontre. Voilà, question de rencontre. Donc, on attend la rencontre. Peut-être cette fois-ci que vous êtes ici en Tunisie, peut-être ce soir, il y aura des rappeurs ici dans votre concert et ça sera la rencontre. Et on aime bien voir un duo avec un rappeur tunisien, surtout qu'on a Balti, on a Klay, on a beaucoup de rappeurs qui sont connus, super doués aussi. En Tunisie, voilà. Merci beaucoup Oxmo. Merci tout à l'heure, votre spectacle, ce sera à 10h à Mehmet. Merci beaucoup une autre fois. On est très heureux de vous accueillir avec nous sur les ondes de KPFM. Je te laisse le mot de la fin. Merci pour cet accueil et amour sur nous. Voilà, amour sur nous. Très bien. KPFM. El Kilmelik.